Spin-off de l'UCL et de l'ULB, Domobios est une société de recherche et développement spécialisée dans la lutte contre les insectes et acariens. Nous mettons au point des pièges pour les animaux qui sont gênants à la maison, les petits animaux, les mouches, les cafards, les acariens, toutes ces bêtes qui nous pourrissent un peu la vie. On les étudie, on essaie de comprendre comment ils se parlent, où ils aiment se réfugier, et on fait des pièges intelligents qui les attirent et qui les éliminent, mais sans toxiques. Par rapport aux acariens, on a mis deux produits sur le marché. Le premier, c'était Acarup, un piège qui élimine les acariens des matelas, qui est utile pour tous les allergiques, pour toutes les personnes qui souffrent d'allergies aux acariens. Le deuxième, qui est maintenant sur le marché, il est destiné à éliminer les acariens des paniers pour chiens. Ce sont des acariens différents de ceux qui vivent dans les matelas. Ces acariens, ce sont les éléments déterminant l'allergie et l'idée de soustraire la quantité d'allergènes est probablement une des idées les plus intelligentes puisqu'on va réduire ce qui crée l'allergie. Donc on va travailler à la base. Les recherches de Domobios ne se limitent pas aux acariens. Elles ciblent également d'autres nuisibles tels que les poux, les cafards, les coccinelles et les punaises de lit. Notre prochain produit qui va être mis sur le marché, c'est une gamme de pièges qui est destinée à éliminer les punaises de lit. C'est un animal assez gênant puisque vous vous levez le matin couvert de piqûres sans très bien comprendre pourquoi et c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. On s'est rendu compte que ces pièges qui fonctionnent vraiment très bien pour les punaises de lit fonctionnent aussi pour les cafards. Il faut un peu adapter cette gamme, changer quelques paramètres, mais on peut arriver à faire des chouettes pièges innovants aussi qui fonctionnent pour les cafards et les fourmis d'ailleurs. Les coccinelles asiatiques se cachent dans les grappes de raisin et le viticulteur, quand il commence à récolter son vin et à évidemment écraser les grains de raisin, se retrouve avec du jus de coccinelle qui gâche totalement le vin. Et on travaille aussi pour mettre au point un piège qui pourrait permettre de les attirer hors de ces grappes juste avant les vignobles. Domobios n'en est pas à un coup d'essai, c'est pas une one product company. Ce qu'il y a dans les cartons de Domobios est encore extrêmement intéressant. Il y a un énorme potentiel de création de valeur. En permettant de développer Domobios, on trouve aussi les ressources pour pouvoir arriver avec un deuxième, un troisième produit qui vont aussi résoudre des problèmes sanitaires. Domobios, c'est une société de recherche et développement. C'est là notre force, c'est là qu'on se débrouille super bien. Et ensuite, on essaye de trouver un chouette accord de licence avec quelqu'un qui va les produire et les distribuer et les commercialiser pour nous. Donc, production et commercialisation, ça, c'est pas notre business core. Tous les produits que je vous ai cités, on les voit sur le marché dans les 2-3 ans à venir, c'est faisable. Et puis ensuite, il y a encore d'autres aventures parce qu'il y a encore d'autres produits auxquels on pense et d'autres nuisibles à éliminer. Donc, Domobios a encore de l'avenir.